Koninklijke Hoogheid, prinses Astrid, dames en heren voorzitters, ook erevoorzitters van het VBO, meneer de kabinetchef van de koning, beste laureaten, dames en heren. Ik ben zeer, zeer verheugd u te mogen verwelkomen op het VBO voor deze plechtige diploma-uitreiking van het Prins Albert Fonds. Dit is een jaarlijkse traditie geworden, sedert vele, vele jaren. Een traditie die ik samen met het VBO heel, heel graag in ere wil houden. En u weet het ongetwijfeld, maar ik breng het toch nog eens graag in herinnering. Het VBO en meebepaald zijn erevoorzitter Daniel Janssen hebben dit Prins Albert Fonds destijds samen met de Koning Boudewijn Stichting opgezet. Reeds meer dan 30 jaar geleden. En waarom? Heel eenvoudig. Als land, als economische mogendheid hangt onze toekomst in zeer, zeer grote mate af van wat er in de rest van de wereld gebeurt. We zijn in oppervlakte misschien een klein land, maar dat betekent dat we een zeer groot buitenland hebben. En daar moeten we ons natuurlijk op richten. En daarom steunen wij als VBO al jaren, al meer dan 30 jaar, de doelstellingen en de principes van dit fonds, namelijk een brug slaan tussen onze jonge Belgische talenten en onze ondernemingen die internationaal actief zijn. En dat rond een in het buitenland te realiseren project. Zoals u weet woedt er deze dagen een heuse war for talent, waardoor ondernemingen het moeilijk hebben om bepaalde profielen te vinden die ze nodig hebben om vooruit te raken. En in die context is natuurlijk dit project, dit Prins Albert Fonds project, des te meer een echte win-win voor beide partijen. En bovendien, tenslotte, draagt het fonds ook bij tot de dynamische uitstraling van ons land en van onze ondernemingen in het buitenland. En ik wil dus voornamelijk nu al de laureaten feliciteren die we vandaag, of die we straks, in de bloemetjes gaan zetten. Jullie doorliepen al met succes enkele stappen alvorens te beginnen aan het project in het buitenland. En jullie hebben ongetwijfeld een onvergetelijk jaar achter de rug, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. In deze steeds meer geglobaliseerde en multiculturele wereld zal deze unieke inkijk in de uitdagingen van de ondernemers, of in de uitdagingen voor ondernemers, jullie gedurende jullie volledige carrière ongetwijfeld bijblijven. Daar ben ik zeker van. Ik wens jullie allemaal een boeiende carrière, een uitdagende loopbaan, een inspirerende loopbaan in België of in het buitenland. Ik wil ook de ondernemingen die de laureaten hebben begeleid feliciteren en misschien nog meer bedanken. Ik weet hoe kieskeurig de kandidaten zijn over hun project, waaraan ze willen meewerken in het kader van het Prins Albert Fonds. En dat ze uw bedrijf eruit hebben gepikt, is dus absoluut een compliment. Donc, félicitations pour votre dynamisme, pour avoir offert au lauréat l'opportunité de se réaliser au sein de vos entreprises. Et c'est d'ailleurs ce dynamisme et les success stories de nos entreprises à l'étranger qui sont mises à l'honneur, par exemple, lors des missions économiques présidées par vous, madame, par son altesse royale, la princesse Astrid, ou dans le cadre du volet économique des visites d'État royales. J'ai moi-même déjà pris part à multiples reprises à ces missions et je peux donc confirmer combien nos entreprises apprécient le momentum créé par ces activités à l'étranger. Mesdames, Messieurs, les divers ingrédients qui font la force et l'originalité du Fonds Prince Albert, à savoir les jeunes, les entreprises, l'entrepreneuriat et l'international, tous ces ingrédients sont également au cœur de multiples actions et initiatives de l'AFEB, de la Fédération des entreprises de Belgique, raison pour laquelle nous soutenons le Fonds Prince Albert. Dès lors, et je voudrais en terminer avec ça, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le président sortant du Fonds Prince Albert, Chris Burgrave. Chris, cher Chris, on se connaît depuis notre passage à l'université à Louvain, et et a toujours été une personne qui veut faire bouger les choses. Et grâce à ton engagement et à ton dynamisme, couplé à ta capacité à travailler en équipe avec les personnes ou les organisations clés, le Fonds Prince Albert s'est considérablement modernisé ces dernières années, et ce, tout en restant fidèle à ses valeurs. Bravo, Chris. Merci, Chris, pour tout le travail que vous avez effectué pendant
Plus des années. Merci. Et j'adresse également mes voeux de succès au futur président, Emmanuel Caïmax. Sachez, cher Emmanuel, que vous pouvez continuer et que vous pouvez continuer à compter sur le soutien à 100% de la FEB dans ce nouveau chapitre de l'histoire du Fonds Prince Albert. Je suis donc ravi de vous entendre tous les deux, président sortant et président arrivant, dans un instant, tirer le bilan des dernières années et esquisser quelques impulsions qui seront données au Fonds Prince Albert à l'avenir. Madame, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Et je cède maintenant, en premier lieu, la parole à Chris Burger, le président sortant. Merci.